Now we will write our own future. Présentement, les Togolais sont révoltés par 50 ans d'abus, 50 ans d'oppression, 50 ans de dictature, et ils sont dans les rues en train d'exiger le départ de Faure Gnassingbé, qui dirige le Togo depuis la mort de son père. Quand ils ont coupé l'Internet pendant 6 jours, ça a été un parcours de combattants. Je ne saurais pas comment remercier nos compatriotes qui ont pris des risques énormes pour faire sortir les images et les vidéos du Togo. Les gens faisaient les va-et-vient entre le Togo et le Ghana. Ça a été très difficile et très fatigant. On a le bring back à Internet que moi-même j'ai utilisé également comme hashtag. Il faut dire que la coupure de l'Internet nous a été plutôt favorable. Ça a été favorable parce que ça a permis de démontrer au monde que nous vivons une dictature au Togo, car aucun gouvernement démocratique ne peut se lever un beau matin et décider de priver des millions de personnes de leur droit d'accès à l'information.